Me revoilà enfin à la maison. J'en peux plus, ça fait 2 mois que je marche en talons pour rentrer chez moi. Vivement la voiture dans la Sims 4. Je vais mettre une tenue plus confortable. Oh putain. Je suis trop bonasse. Ben quoi? T'es jalouse, salope? C'est pas ma faute si le blanc ça grossit tout le monde à part moi. Où est passée ma grognasse de ménage? Je ne sais pas pourquoi mais je pense qu'elle se fait baiser dans ma chambre par une yougoslave fétichiste du latex. Oh putain. Ma grognasse se fait baiser dans ma chambre par une yougoslave fétichiste du latex. Je vais devoir brûler les draps. Je vais même brûler toute ma maison. On sait jamais. Je m'appelle Léa. Et j'aime les... Ta gueule. Tu vas pas le répéter à chaque épisode. Grognasse. Ce n'est pas ce que tu crois. On était en train de faire un bœuf bourguignon. Moi je faisais le bœuf et elle faisait le four. Je m'appelle Myrnissa. J'aime me faire brouter la chatte comme une vache qui broute de l'herbe. Je suis traumatisée. Vous me dégoûtez. Vous n'avez vraiment aucune pudeur. Vous devriez prendre exemple sur moi. Je suis une vraie prude. Bon. Reprenons la cuisson de notre bœuf bourguignon grosse cochonne. Je vais aller sur l'ordinateur pour me changer les idées. Mais je ne vais pas regarder de porno. Ben quoi? Ma chatte a le droit de se reposer de temps en temps. Je vais regarder les commentaires de ma FAQ. Oh mon god. Il y a une beurette qui a parlé de moi. Elle veut que je fasse d'autres podcasts? Jamais de la vie. Bon. Comme je me fais chier, je vais quand même faire un podcast. Ben quoi? Il n'y a que les sadomasochistes qui ne changent pas d'avis. À tout de suite les bitches. Bonjour. Et bienvenue dans les podcasts de Lara. Aujourd'hui je vais vous faire un tuto cuisine. Génial. On va faire un bœuf bourguignon. Moi je fais le bœuf et Myrnissa elle fait le four. Ta gueule grognasse. Va laver les chiottes. J'ai mangé mexicain hier soir et ça pue le chili dans toute la salle de bain. À vos ordres maîtresse. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un gâteau. Pour commencer préchauffez le four à 180 degrés. Si vous avez moins de 4 ans, allez demander à un adulte. Pour faire un gâteau, il faut prendre des ingrédients dans le frigo. Tu veux savoir quels ingrédients j'ai utilisés? Bah démerde-toi salope. Après tu comptes les grains de farine pour être sûr que t'en as assez. Et après tu mets tout ça dans un bol. Ce qui est bien dans la Sims 4. C'est que t'as pas besoin de t'emmerder à casser les œufs. Donc si t'es pas doué en cuisine c'est pratique. Après tu retires la cuillère en bois que tu t'es enfoncée dans le cul. Et tu remues la pâte à gâteau. Miam. Ça sent bon. Je vais rajouter un peu de vodka pour le goût. Une fois que ta pâte à gâteau est aussi liquide que la règle de ta maman, tu peux la mettre au four. Turlututu. Chapeau pointu. Le gâteau doit cuire 10 minutes à 200 degrés. Mais comme j'ai pas le temps, je vais le mettre une minute à 2000 degrés. C'est prêt. Il n'y a même pas besoin de le décorer. Maintenant qu'il est prêt, tu peux le manger. Ou alors tu peux rajouter du poison et le donner à manger à ta grand-mère. Et là bonjour l'héritage. Et voilà. Maintenant tu sais comment faire pour tuer ta grand-mère. Je veux dire pour préparer un gâteau. Allez. Salut la bitch. Putain, je suis trop fatiguée. Je ferai plus jamais de podcast de ma vie. Et j'emmerde au ciné. Bon, en fait, je vais mater un porno. Ça va me détendre. Salut la bitch.